Good day, madam. We are from Group 2. My name is Goh Bing Cheng and my matric number is 205447. My name is Tan Vern Ying with matric number 207374. My name is Loi Yong Xin. My matric number is 208072. Bonjour, je suis votre guide touristique à Paris. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je suis excité pour notre tournée d'aujourd'hui. Bonjour, je vais bien, merci. Où sommes-nous actuellement? Nous avons arrivé la Tour Eiffel, la magnifique structure de feu qui illumine Paris. Wow, c'est incroyable! C'était Zino Mimazetouz. C'est tellement grand et génial. Je n'ai jamais été ici même si j'habite en France. Je ne peux pas imaginer la hauteur de cette tour. La tour Eiffel est une tour de plus de 324 mètres d'eau et les 4 étages. Le premier étage est pour les opérations quotidiennes. Est-ce vrai? Oui, tu as raison. Quels sont les avantages de chaque étage? Puisque Paris est un paradis de shopping, la tour est faite là de boutiques. Le premier contient un petit musée, un cinéma, des boutiques, une salle de conférences, un restaurant et des planches de vue pour l'amusement. Le deuxième reste plus dans l'esprit de la tour. Il contient des boutiques et une belle galerie qui est faite de la tour. Le troisième étage contient des photos anciennes, une vitre positionnant les principaux monuments du monde, un bar à champagne et tout un tas d'autres choses. Et bien sûr, la vue de chaque étage est magnifique. Junior, je pensais que c'est pourquoi la tour Eiffel est une structure unique au monde, car elle est un monument historique et visitable. Alors que les autres tours métalliques ne sont que des structures décoratives. Connaissez-vous l'histoire de la tour Eiffel? Comme je le sais, il a été construit pour commémorer le centenaire de la Révolution française. Elle doit son nom à l'ingénieur Gustave Eiffel, qui en est le créateur. Et toi, Wiki, tu connais l'histoire de la tour Eiffel? Oui, je connais aussi. Comme je le sais, la tour Eiffel est également construite pour l'exposition universelle de 1889. Donc maintenant, tel est son total d'histoire. Elle symbolise pour ses savoir-faire et génie industriel. Oui, la tour Eiffel est aussi le symbole du génie français, en génie civil. Je dirais, vous laissez nous prendre des photos? Sure. Vous pouvez prendre des photos de la tour Eiffel. Génial, j'aime aussi prendre des photos. Dites oui, Titi. Oui, Titi.